Bonjour, bonjour à tous, les amis, bonjour et bienvenue, c'est LPAG, point le 3, bien sûr. Évidemment, toujours là. Voilà, de retour sur ce jeu, dans cet opéra hanté. Ouais, on a la confirmation qu'il est bien hanté, là. C'est ça. On a vu des fantômes, on a vu... Donc oui, apparemment, c'est bien le régisseur, enfin le régisseur, le compositeur plutôt, qui a fait l'opéra, qui était amoureux de la danseuse. Et il l'a vu avec un autre, il a pété un plomb, il a brûlé tout le monde, et voilà. Réaction évidemment totalement. Ça c'est logique. Rationnel, pas du tout. Donc on a tous les fantômes, on a notre sœur à sauver, on a tout le monde en fait. On a beaucoup de boulot à faire. Ça. Dans le journal, voilà. Et on avait vu lui là, qui serait peut-être le fantôme du compositeur. Et qui manipulait, ouais, l'autre mec. Oui, parce qu'apparemment l'incendie a eu lieu il y a 30 ans. C'est pour ça que. Franchement, si t'as une rancœur de qui 30 dure 30 ans, c'est beaucoup, tu vas avoir un psy. Hein. Après, si t'as un fantôme, c'est plus dur. Hein. Mais bon. Ok. Donc il faut qu'on rentre dans le salon de réception, parce que c'était là que tout se joue. C'est vrai. Donc là, oh, il faut récupérer les roses. Tu m'avais dit, ouais. Tu m'avais dit qu'il y avait des roses qu'on était passées à côté. Donc dans le... ici, là, voilà. En vrai, ça va, elles sont pas ultra cachées, genre. Ça va. Et je m'excuse d'avance aussi si je suis super bavard. Parce que du coup, je passe une semaine en Bretagne, genre loin de chez moi. Mmh. Ça fait une semaine que j'ai pas commenté de vidéo, quoi. Donc, Ah voilà, il va se lâcher. Donc c'est possible que je sois en freestyle total. Bon, vous allez me dire, ça change rien d'habitude. C'est vrai. C'est ça. Je suis d'accord. Mais bon. Et oui, avec quoi ça. Mmh. Je préviens d'avance, quoi, au cas où. Si je sors un peu plus technique d'habitude. Encore plus de blagues. Évidemment, ça marche. Ah oui, alors comment ça marche ça déjà? Oui, c'est là. Donc il y a là, oui, un truc là. Ah oui, du coup, par contre, vu que ça fait une semaine, j'ai plus du tout ce qu'on a dans les poches, ce qu'il y en a à faire et tout. Il y a des chats. J'allais dire, oh, il est mignon. Qu'est-ce qu'on a en fait? Un peu moins. Chaussons, cordes de piano, lait. Ah, lait. Ah ouais, en vrai. Tu veux du lait? Il y a rien pour. Ah si, là. Ah, oui. Si, t'as une gamelle, ouais. Voilà. Ils nous aiment bien maintenant. D'accord, et je prends quoi ça? Okay. Ah, les boutons de caisse. J'aurais été couché dessus quoi, ça va pas être très confortable. Tac, on prend le fric, nice. Ah non. Non. Pas d'argent. J'ai vraiment des mosaïques, on a du fil, et c'est tout. T'en as tellement de trucs par contre? Ah, il faut 3 danseuses. Là, il n'y a plus rien là. Non. Normalement, on a quand même bien volé tout ce qu'il y avait à voler. Hein. Mmh. Le coffre secret, la caisse enregistreuse. Et là-dedans. C'est pas mal déjà. Ah oui, il y a ça. Ah, pied de biche. Ouais, t'as un pied de biche. Ouais. On l'avait pas la dernière fois qu'on était là. Je sais plus. Je crois pas. Non. Sans doute non. Hein. Ah. Ok. Ça, on en a un, ouais. Je crois, à gauche. En 3. On peut plus. Oh, la troisième au milieu, là. En dessous de l'inventaire. Ok. Chercher un truc rouge comme ça, en fait. Alors. Fermer les volants de vanne dans le bon ordre. Les voyants deviendront verts quand je vais refermer correctement. Ok. Ah, ok. Donc c'est juste du hasard? Est-ce que ça aide? Je suis pas sûr. 4. Peut-être pour te dire combien il t'en reste à faire. Ça, oui. Donc celui-là... Alors, est-ce qu'on va avoir de la chance? De l'instant. Ouais, là, c'est du hasard pur, donc... Celui-là? Non. En vrai, j'aurais dit haut à droite. Ouais. La logique voudrait bas gauche, mais ouais. Alors... C'est oh, pas yes. Ça. Yes. Ah, c'est ça. Au gauche, au bas droite. Alors là, c'est une chance sur deux. Hein. Ouais. Je veux dire bas droite. Oh putain. J'aurais dû mettre la pièce sur l'autre côté quand on aurait mis une pièce chacun et il aurait forcément eu un qui gagne. On voit qu'il y en a que 5. Lol. Oui. On a tout pété. Poignée de porte. Ouais. Oui, c'est où qu'il manquait une porte? Une poignée. Ah non, c'est une porte. Je sais plus du tout.
Ah oui, c'est vrai qu'il y avait ça, là. Ça, c'est pas ce que c'est, ça, en plus. Ça, c'est l'air d'être genre, ouais, genre de pâte de dragon, mais... Ouais. C'est sûr. Ah, ok. D'accord. J'aurais pas parlé là-dessus, mais ok. Drôle système de fixation, en tout cas. Hein. Ah, le salon, nice. Ah, Gaspard. Le roi mage. Pas mal, je pense. Ok, donc Marie, oui, c'est celle qui... dont le compositeur était amoureux. Ouais, qu'est-ce qu'il va lui faire? Il faut trouver son fantôme, en fait. Ouais. Et le joueur de flûte est en train de la trouver, ok. Ok. Ah. Bah, j'ai vu un métamorphe. Ah, nice. Alors, pas du tout caché, hein. Vraiment, là, il n'y a aucun effort. Ah, j'ai la rose. Là, il vient de changer. Ah, le tableau. Oui. Ah, mais... okay. Parce qu'en fait, je l'ai vu pendant qu'il parlait, en fait. Genre, bah, ça continue, ça bouge, en fait. Genre. Heureusement, il y a moins de métamorphes que de roses. C'est déjà bien. Ouais, heureusement. Quoi, ça? Carreau décoratif. Le mur de la cheminée sonne creux. Hein. Parce que t'as tapé là. Bon, c'est du feu là. Ouais, c'est ça. Flûte. Alors, flûte. J'attendais le moment. Ouais, bien, bien, bien. Ça, c'est on vole vraiment tout. Hein. Colis. Oh, c'est là-dedans. Comment je l'ouvre? On a rien. Ouais, si, peut-être ça, en vrai, avec la coupe, on pourrait peut-être le faire. Mais il est loin, quoi, genre. Ouais. Putain. Je fasse comme ça. Ah, comme ça, ça marche bien dans ce sens-là. Nice. Ah, pour la porte. Ok, une des deux notes. Symbole de note, ok. Scène. Allez, on se met dans le bain. Ah. Ok. C'est terne. Allez, ça, fait une semaine qu'on n'a pas cherché. Statue de danseuse. Voilà. Allez, c'est parti, je vois rien. Let's go. J'adore. À la boule. Ouais, en fait, je peux essayer de concentrer sur un objet à chaque fois, mais ça marche pas. En haut à droite, t'as un coussin par terre. En fait, faut que je prenne plus le réflexe de tout lire avant. Parce que j'ai pas le réflexe, souvent je regarde un ou deux mots, puis je regarde. Mauvaise idée. Et le pinceau, il est en dessous, sur la table à droite, en bas. Ok. Moulin à poivre, il est en haut de la table, vers la gauche. Je crois que c'était ça. Oui, j'ai hésité aussi. Hein. Et je. La salière, je dirais peut-être en bas de la table, pareil au milieu, mais un peu vers la gauche. De la droite, pardon. Alors. Au-dessus du café. Ok, violon. Ah oui, là. Ah, il faut le... Ah, t'as son archer tout à... archer. En haut à droite. Ah. Wow. Tu t'es permis de flexer un peu, quoi. C'est clair, ouais. Ok, je respecte, je respecte. C'est seul notre connaît. À droite du violon, t'avais des clés, si tu voulais, qui sont punaisées. T'as un masque en plein milieu, sur le chapeau. Et un autre par terre à droite. Et je me réveille, hein. Oui, ça y est. Faut le temps que l'œil s'habitue au côté terne un peu de toute la scène, et ça va. Fais le tour de... Une épée, ok. Bouteille verre. Une petite césure, quand même. Une bouteille, c'est classique. Aussi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de théières. Verre aussi. Après, verre, il peut y avoir des verres à pied ou des. Ah, verre à pied en effet. En haut de la table à droite. Un peu plus. Ah oui, là. Oh la vache. Il était discret. Hein. Ouais. Tout est marron, c'est marrant. Bah, la bouteille peut-être au milieu, hein, ce qui nous paraît comme un truc de Rome. Ah oui, je croyais que c'était une cloche. Je croyais que c'était une cloche aussi. C'est. En vrai. Étrange. Trophée. Ok, on est les trois. Oui. Let's go. Ah, ça va être là, non? Il y a des chances, ouais.
Ça me fait penser à Atomic Heart. Je sais pas si t'as vu un peu des images du jeu. Ah oui, il y a ça en fait. Oui, j'ai eu un peu, ouais. Voilà, ouais, je sais pas si ça. Ah, il faut les mettre comme ça. Posture des ballerines sera correcte si elles disposent de leurs bras, leurs jambes sous une croquis. Ok. Bon, ça va, ça va être trop dur, je pense. C'est comme ça, là hein. Oui. Ouais. La première, elle va être bonne. Toi. elle me pointe. comme ça. Ouais. Hein. Ouais. Parfait. Parfait. C'est le même ou c'est... Oui. Ouais, c'est le même. Plus que les bras. Mais... Nice. Ah, oh, 5 mini-jeux sont passés. Ah. Oh. Easy. Et... Te brûle pas, hein. Ah, c'est ça qu'on a senti derrière. Fragment de mosaïque, ok. Bon bah voilà. C'est tout ce qu'il y avait à faire ici, apparemment. On est bien avancé, en tout cas. Mmh. Salon de réception. Ah, il y a une lampe à chaque, à chaque ballerine. Vraiment, il voulait être sûr que ça soit vraiment bien, bien éclairé, quoi. C'est clair. Alors... Et pourquoi pas, hein. Là. Ouh, tout est là-bas, ouais. Alors, bon, s'il y a... Ah oui, on a les notes. Non, on en a qu'une. Oui. On a les deux. On en a qu'une. Mosaïque. Non, il y en a trois. Ah oui. Ah, voilà. C'était la même forme. Ouais. Nice. Alors, c'est quoi ici? Nouvelle pièce. Les backstage, j'espère, ah. Vu qu'à droite c'était la scène. La couloir, scène. Un couloir, ok. Couloir, pour aller au backstage, évidemment. j'y crois. Ah. Oui, on va vous aider, on sait. Pas la musique perso, mais ouais, c'est tu veux pas juste me faire dire do, la 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 les genre, ok, mais je ne comprends pas ton langage. Ok, ouais, on sait. Pierre, on a une flûte, c'est le joueur de flûte. En espérant qu'il est flûtiste. Oui, ouais. Il joue de la vraie flûte, il aurait pu jouer de la flûte fantôme. Au salon vert. Du coup, ça fait 30 ans qu'ils attendent. Oui, apparemment. Okay. Ah, pause. Pas un métamorphe. Je regardais un peu, j'avoue aussi. Ah, si, j'ai vu. C'est vrai? Ouais. Chacun son tour. Évident ou pas? Là. Ah, ouais. Ah oui. Bien, bien, bien. Ok. Pas de peinture, hein. Ça m'a toujours servi. Ciseaux. Ah, c'est des. 2 sur 3. Il y en a qui sont moches, hein. Pourquoi il y a des morceaux de. Je sais pas du tout pourquoi. Non, mais je sens qu'on le saura assez vite. Salle de répétition. Ah. Ah. C'est pas gentil, ça. C'est un moyen plus rapide. Hein. Ah, rose. Bien, ouais, trop rapide. Ah. Ouais, ah, mais c'est même... bazar ici, je vais ranger. Le réflexe. Ah, ah, une corde pétée. Ah, bah, on a une. Touk. Alors, dans la vraie vie, c'est pas si simple à changer. Ouais. Il est accordé ou pas? Oui. Apparemment, oui, tu es vraiment un virtuose. Et il faut une partition. Ça, on a pas. On va peut-être la trouver à côté. Mmh. Ici. Je ne pense pas. On y sera plus loin. Ah, y'a pas de partition. Ah non, chaussons de danse. Bon. Chaussons de danse au milieu en bas. Ah oui. Putain. T'as une calèche en haut vers la gauche. Ouais, t'étais dessus, je crois. Non. Pour moi, ça ressemble à une calèche, non? Avec la roue. C'est ça, hein. C'est quoi ça?
pièce d'échec. Ah oui, c'est le bas d'une pièce d'échec en effet. Ouais. Ah là, la calèche. Ah oui, bah, l'autre côté il y avait une roue. Oui, un peu. C'est de la triche là. Il faut exprès. Attends, oui, c'est le jeu. En bas à gauche, devant l'accordéon, t'as la pièce d'échec. Ah oui. Ah. Oups, bah non, on était dessus là, c'est bon. Mais putain. Mais... Ah, voilà. Mais... Alors que t'étais dessus deux fois. Hein, mais... t'as une tortue si tu pars du milieu que tu vas tout à gauche. Tampon, c'est ça. Les signes juste au-dessus de ce que tu viens de trouver. Ouais, ça y est, tout là. C'est bien, ils ont tout rassemblé. Chapeau, bah oui, ça. J'avoue. Boussole, peut-être en bas, à gauche, droite, droite, pardon. J'hésite. Ah oui, ça c'est la montre. Ouais. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec cette montre? Elle est très bien. Ah, la chaînette que ah, la chaîne. Ils ont le téléphone, ah oui, en effet. Ah oui, gros téléphone. Oh la vache. Ok. Allô. On sent bien sur les scènes aujourd'hui. Trois chaussons, nice. Ah. Placer les pantoufles, sérieux. C'est des chaussons, pas des pantoufles. Sur les étagères dans le bon ordre, c'est dans les indices visuels là. Ah. Genre, tu vois, genre avec le morceau de en haut à gauche. Page. Gauche. Ah, oh. Oui. Tu sais que le motif de trèfle, il est en bas. Enfin, en dessous. Mm-hmm. De ce motif, le rayé, quoi. Il y a que deux étages ou il y a trois étages? Ça, il est là. Non, justement. Il sera en dessous. Ah, en dessous là. Et il pourra pas être sur ce côté-là, je pense. Enfin, qu'il soit plutôt sur, de l'autre côté. Au moins un. Ah. Ouais. Après, ouais, mon avis serait là, ouais. Ça, c'est chaud. Avez... C'est-à-dire que le rayé, tu le décales d'un cran à droite. Le rayé, il est en haut. Ah, celui-là. Ouais. C'est chiant à décrire. Mmh. Et tu sais que le poids, celui qui est, c'est pas vraiment des poids, mais en bas à gauche, tout à gauche, le blanc, tu peux le mettre tout en haut à droite. Et a priori, là, tu reproduis la photo qu'il y avait sur le haut. Ah oui, là. Tac tac. En vrai, le violet en bas, ouais. Tu peux le mettre en première ligne en haut. Sur le tout premier, la première position, je pense. Y'a rien là. Non, c'est ce qui m'inquiétait un peu au début. Ouais. Heureusement, ça va. Parce que là, y'a le bleu et puis le petit. Petite étoile. Ouais, bah je crois que t'échanges juste étoile et rouge et c'est bon. Ok. On est trop fort en fait. C'est la partition, mais. Nice. On est trop fort aujourd'hui. Ah, il y en a faut deux, il faut deux. Ah oui, pardon. J'ai pas vu ce petit détail. Quand même. Qui peut nous stopper? Le jeu. Le jeu, voilà. Tout simplement. Y a rien d'autre ici. Ah si, y a ça. Je découpe. C'est vrai que c'est la seule option qu'on a. Hein. Ah la vache. Désolé, hein, c'est la très bonne. Ah beau, bah ok. C'est tout. Il y a de la qualité de l'avoir foutu là, quoi. Alors, on va jouer. Ah, ok. Pour moi, ce n'est pareil qu'avant. Non, ah, d'accord, ok. Putain. J'ai eu un peu peur. Ah, il faut reproduire. Je dois répéter l'air du fantôme à la note près. Ah oui, c'est un fantôme qui tape et puis je vais faire après, ok. Ok, pourquoi pas. Je vais me faire après. La concentration. Hein. Merde. Ah merde, j'ai tapé là. Un peu à côté, je crois. Oh, il recommence depuis le début, putain. Faut être sûr que ça rentre bien. Prends notre temps. C'était pas si dur. Non. Non, c'était la première note. Ah, c'était celle-là? Oui. Putain. T'inquiète, tout va bien.
Les gens le font chez eux aussi sur leur piano. Tac, tac. Oh les salauds, putain. Et celle-là, elle sert à rien, c'est quoi ça? Pour l'instant, attends, parle pas trop vite. Ah. Tain, tain. Ah, voilà. Ah là, et là tu l'as. Voilà. Magnifique. Ouais. Le piano, ça déverrouille la porte. Adele? Can you hear me, Adele? Allô? Allô? T'as pas de shampoing, Adele? Ah non, pas lui. D'accord. Ça fait 30 ans là quand même, hein? Ah! Il a fait un caviar. Ah, voilà, fini. Fin du jeu. Vous allez jouer un nouveau personnage. Come on, you fool. Hurry up. Il m'a figé. Il a laissé qu'une partie de son pouvoir. Pourquoi il a fait ça? Genre pourquoi il a pas mis tout sous sa tout volonté quoi. Donc il a condamné l'autre à danser pour l'éternité. Nice. Super. Comment je tape? Je fais quoi? Je me concentre. Ah. Trouver le bon homme pour déverrouiller les chaînes mentales de Gaspard. Nice. Ah, il y a un ordre. Ouais. Putain. Tu y arrives. Une chance sur 3. Oh. Oh, une chance sur 2. Celle-là, hein. Ouais. Je dirais oui. Oh putain. Ah putain. Ah. Oui, oui. C'est le plan. Ouais, ouais, on est là depuis le début pour ça, mais ça qu'on s'attendrait pas à tomber sur lui, mais... Bon bah... C'est là qu'on revient et nous reparalyse, et tu sais genre on le fait le jeu 10 fois. On va genre mais arrête. On avait pas des métamorphes là. Ici peut-être. Mais vu qu'il y en a moins... Ouais... Il y en a peut-être pas comme les roses à chaque portrait, hein. Enfin, chaque tableau, j'aurais dit. Parce que ça, c'était où il y avait la scène, donc c'est forcément pas là. Ouais. Non, je crois pas. J'ai pas l'impression. En vrai, ils ont l'air plutôt obvious. Ils ont pas l'air de les cacher, vraiment. Et là Et là non plus, hein, je crois pas. Si, t'en avais trouvé un, je crois. Ah oui, peut-être. Okay. Qui est derrière là, quand même. T'en avais trouvé. Ici. Ici, y a pas beaucoup de choses qui pourraient changer, hein, techniquement. C'est quoi ici en fait? Juste un couloir. Et que des couloirs. Il y a beaucoup de couloirs, ouais. Alors c'est très beau, hein, mais il faut peut-être rénover un tout petit peu parce que là ça part un peu en lambeaux partout. C'est clair. Ah. D'accord. Et ça part vraiment en lambeaux. Radiateur. Magasin d'accessoires. Ah, j'avais raison de couloir des coulisses. Ah, nice. On fait le tour en fait. Ah. Ça, on a. C'est ça? Nice. Oh non. Ouais, si. La plaque de gauche, il faudrait que je permette les morceaux. Ok, donc c'est faut faire ça. Oh putain. Ok, en vrai, ça va, tu peux échanger comme tu veux. Donc en vrai. Ça, c'est bien, ça. Non le nez m'a l'air bien, ouais. Faut trouver les yeux maintenant. Voilà. Sur le haut du visage. Ça, c'est bon. Presque. C'est le bordel. Quoi? Non, c'est pas mal. Rééchange. Non. C'est chiant à décrire. Bon courage. Ah ça, ah, comme ça.
Non, en fait, celle qui est en haut, ouais, celle que t'as ici va être en bas, je pense. Ah oui. Tiens. Ça. Ah. Oh. Puis qu'elle a changé. Ok. Et de deux. Bon. Au bout d'un moment, on va savoir comment faire. Après, c'est vrai que elles sont complètement identiques, hein. Ouais. Ah. Presque. Nice. Ok. Ça, c'est un peu dommage, ils auraient dû mettre un nombre de fragments différents pour que ce soit vraiment trois fois la même chose, quoi. Nice. 1848, cool. Ça nous avance beaucoup. Ah, un bout de... un bout de disque. Ok. Et le sol n'est même pas réparé par terre. Oh là là. Je peux pas toucher les câbles sous tension, là. Je les coupe. Ouais, c'était... Tu vas te prendre un coup de jus dans, le, dans les ciseaux, là. Ah. D'accord. Ça, le disque est pas trop caché, quoi. Là-dedans. Évidemment, tout est fermé. Putain, c'est... Donc c'est ça, ok. C'est quoi le lien, c'est ça? Ah. Y'a pas de lumière ici, en tout cas. C'est le cachot. Le cachot. Non, mais c'est vrai, genre. Ça ressemble à tout, enfin, Max, c'est ça. I can't do this anymore. Do as you're told. Take her to the stage left. I'll deal with this one. Va devoir réparer ici. Ah. Ah, d'accord. C'est un peu plus concret, en effet. Il aime bien le casser, ce théâtre. Il y met le feu, il le casse. Ouais. Bah écoute, pourquoi pas, genre, il essaie d'innover un peu. Toutes les formes de destruction possibles. C'est original. Putain, je croyais que je m'étais endormi, non, ça va. Tu piques le j'en peux plus. Tige métallique. Tu as volé le plateau. Ah, c'est un disque. Ça pourrait être le disque, je pense. Verdoseur. Que de choses qu'on ne peut rien faire. Oula. Ah. Ils ont vraiment une armure dans un théâtre, quoi. Le gant. Et quoi. Ok. Ok, encore un couloir. Encore un couloir. Oh là là. Ah. Je ne suis pas content, je vais enlever mon bureau. T'es un fantôme, tu peux aller plus loin, non? Passe à travers. Oh, je suis bloqué par le scénarium, d'accord. Ok. Et bah nous voilà bien avancés. Arrêtez. Ah, du ruban isolant, nice. Ouais. Oh là là. Oh, celui, c'est une belle couleur en tout cas. Donc quoi? Il nous manque un truc à tous les coups. Oh putain. Allez, on se remplit les poches, et on a vide, les poches ouais. Un peu vides, hein. Ah, y'a un bout, là. Y'a un bout. Il faut une clé. On a une clé? Non, pas de clé, sûrement. Dommage. Tellement de trucs, et là... Ah, tellement ouais. De trucs, en effet. Ah, bah oui. On a évidemment un cliché, hein. Putain. Oh. Ah, ok. Ah, une mini-scène d'ombre. Ciseaux en plein milieu, vers le haut, si tu veux. T'as un genre de flûte à droite. C'est quoi cette musique là? Je sais pas, ça va pas professeur Layton. Dans la lanterne, ouais. Ok. Et le petit violon il est devant le petit nain en vert. Donc, une scène sans erreur. On en fait plein sans erreur. Celle-ci on la fait vraiment plus sans erreur que les autres.
En moins d'une minute, ah, on a fait en moins d'une minute. Temps, il y avait quasiment... C'est vrai qu'il y a quasiment pas d'objets. Ouais. C'est vrai, les scènes rapides comme ça peut faire en moins d'une minute. Ouais, j'avoue, c'est bien que ça compte comme des scènes. Bloc de bois. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de ça? J'ai failli dire, ouais, genre tu le plantes, tu l'éclates. Eh ben c'est super. Regarde s'il y a des métamorphes. Ouais, genre les roses. J'ai pas l'impression. Ah putain, oh si, en haut dans les tuyaux. Gauche. Ah là. Non, dedans. Ça sent pas une fleur. Dedans, c'est... Oui. Ah, oui. Il y en a l'impression qu'il était fermé du coup, oui. Là, j'ai trouvé. Hein. Et là, tu l'as trouvé sur la table. Ouais. Et là... On est bien, on trouve tout. Hein. Là, on a déjà... Ouais, ok. Et là, il s'est passé beaucoup de choses. Trop de trucs. Oh là là. Ah, ils ont changé la map. Oh putain, non. Oh. Ah non, alors, une map. Pas une map en deux parties. Elden Ring, il l'a fait très bien. Jeu de l'année. Hein. Vous avez une map, et plus vous la découvrez, plus elle dézoome. À moins que... Et c'est magique. Quand on passe là, il n'y a plus rien à faire là. Si c'est une map en deux parties, presque ok. Ouais. Pas okay, en 40 c'est... parties, s'il vous plaît. Ah. Il y a un truc là. Là, il y a un truc à faire là. Ah. Ah, j'ai le truc isolant. Ah, oui, c'est vrai. Ah, oh, putain. Ou juste les gants, ouais. Ouais. Ah, peut-être pour le... Ah, voilà. Le courant est coupé, je peux toucher les câbles sans souci. Bah, vas-y. Bah, go, genre... Je vais isoler celui-là. Ah, voilà. D'accord. Ok. Let's go. Image de clé. Moi, j'avais dit pour le bois, ça n'a aucun sens, mais pourquoi pas. Ah, j'ai remis le courant, ok. Du coup, il y a de la lumière en face. Ah, nice. Accessoire. Quoi? Genre ça des décors à la limite, tu vois. Parce que j'ai une tour Eiffel, des trucs comme ça. Mais genre accessoires, pour moi c'est des petits accessoires, genre. Ouais. Ah, une roue. Peut-être qu'on est pas assez familier du milieu du théâtre. Ah. C'est un truc de peinture ça, ouais. On a pas de peinture. Ah. Oh, plus qu'un. Un truc, j'ai un truc doseur. Ouais. Mais si. mais si, prends-le en fait. Ah voilà. Là, il va falloir faire un verser dans l'autre pour que ça fasse telle quantité. Ça, c'est easy, je vous le fais quand vous voulez. je n'ai pas peur, d'accord? Je n'ai pas peur. J'ai pas un verre? Apparemment pas. Ok. Ok. Ah, il y a un truc là. Et le truc rond noir au milieu, c'est quoi? Ça? Okay. Ouais. Okay, ah, c'est le volant? Ah, c'est la roue? Ah oui. C'est vrai que c'est la même forme. Mais si, c'est la même forme. Les tiges en métal que t'as? Ouais. Attends, petit t'inquiète. Tiges en métal? Ok, peut-être des leviers, je pensais. Et ça, en vrai, si tu peux le faire, ah, t'as oui. La clé. Une boîte en bois et le truc, ouais. Mais je pense qu'il faut juste clique sur la boîte en bois. Ah. Mets le truc en métal dessus. Non, pas ça. La clé, pardon. La clé. Et là, ça va marcher. Ah, d'accord. Okay. J'ai marché avec le design des autres trucs, t'inquiète. Et là, il va falloir faire sortir la clé. Ici. Alors, c'est un truc que j'aime bien faire, c'est easy. Mais c'est trop chiant à décrire. Je pense que je vais te laisser faire. En vrai, ça j'y arrive, je crois. Ou bien en vrai ça. Non, je pense que c'est. Je pense qu'on peut descendre comme ça. De toute façon, je vais te laisser faire. Si j'écris, ça va être trop chiant. De toute façon, t'as pas 10 000 possibilités. En fait, il faut dégager ça plutôt. Ça. Ah,
Enfin, enlever presque. Ça. Ouais. Faut que tu restes sur le T. Oh putain. Oui. Comme tu dis. Bah, tu peux essayer de faire monter ta clé, peut-être. Ah ouais. Ouais, tu peux. Ça changera pas grand chose. Tu peux descendre la. Non. La truelle ? Enfin, la genre de truelle. Ouais, ça. Mmh. Ça nous arrange pas tant que ça. Mmh. Quel enfer. Oh la vache. Aïe aïe aïe. Là tu bloques un peu dessous de toute façon. Ouais, il est un peu chiant celui-ci. Hein. Ouais. Parce qu'on sait pas, c'est dur. Ouais, je pense. Okay. Vous l'avez peut-être en commentaire. Ouais. Mais non, non. La musique est cool en tout cas. Oui. Si on peut marquer un point. Est-ce que j'allais dire, on est bien là. Oh. Oh. Enfin, on avance un peu. On avance un peu. Presque. Ouais, t'avances. Mm. Si tu peux monter le marteau, remettre la lime, et là tu descends marteau et, ah oui. Et, okay. Et truc et c'est bon. Nice. Trop bien ça. Ça va s'indiquer pour la fin mais... Alors qu'est-ce qu'on a ? Un pinceau. C'est un peu décevant. C'est une tour Eiffel ça, c'est quoi ? Ça ressemble à une tour Eiffel. Ah, trouver la rose après la tour Eiffel. Quoi ça ? Emblème doré, cool. Génial. C'est une porte ça. Nous voilà bien avancé. En effet, ça a l'air du décor que tu pourrais peut-être tirer avec la manivelle, mais pour l'instant t'as pas accès à la manivelle. Ah si, la commode. Non, toi t'es bien, pardon, dans le couloir. Sur le côté, t'as peut-être un truc doré. Ah oui. Ça ressemble à une bouffonne. Clac. Là. En vrai, les bruitages sont très bons. Hein. Oui. Bruitage et musique. Oui, les deux sont très très bien. Une ambiance sonore discrète, mais quand même qui reste là. Franchement, c'est. C'est bien. C'est assez rare. Là, je dois bien cacher que ce soit aussi bien dosé, je trouve. Fait flipper des fois. Ouais. Ah, t'as une feuille juste ouais, devant le chevalier. Oui. Ah non. Tout trouver en bas, donc il va forcément avoir des trucs en haut. Bien ouais. Et le papillon au plein milieu. Un par où. Ah. Et là, il y a une vraie scène. Ok. Il mélange les trucs, pourquoi pas. Horloge en haut de la commode gauche. Poire en bas de la commode à droite. Cerise au milieu, un peu en dessous de le coquillage que tu viens de trouver. Genre sur la droite, pardon. Le rouge à lèvres. Il le faut. Ah, t'as le capuchon en bas, toujours au milieu, devant le livre. Ouais, tu t'étais dessus, ta souris a changé. L'autre côté. Voilà. Ah oui. Oula. Putain, okay. Les bruitages sont très bons, hein, parce que ça, c'est vraiment le bruit que ça fait. Hein. derrière le genre de tambourin en haut à droite. Ça ressemble à une genre de bougie. Non ? Ok, c'est une bougie. Ça.
Moi je cherchais pour le flacon de parfum. Ça ressemble à un flacon de parfum. Mais non, le flacon de parfum en effet c'est le truc bleu turquoise. Ah oui ça. Et je sais pas pourquoi l'autre m'a attiré l'œil, je suis genre ça ressemble un peu. Ah, truc d'huile. C'est marrant, ils font l'un puis l'autre, puis l'un, puis l'autre. C'est clair. Burette d'huile, ok. C'est ce qu'il fallait exactement, hein. C'est ça. Si en vrai. C'est... Ouais, je sais pas trop. Peut-être là, c'est genre le au plein milieu, le levier, tu pouvais pas le tirer, est-ce que c'est par la rouille? En vrai, non, ça, la rouille, je suis con, ça va être pour la statue à qui t'as volé un gant. Enfin, c'est pas une statue, mais c'est un genre. il était très rouillé, c'est vrai. C'est vrai qu'il était rouillé. Ah, voilà. Non, mais l'huile ne fait pas ça comme effet. Oh là là. D'accord. Mais il a plein de trucs, lui. C'est vraiment un couteau en suisse. C'est clair. On va peut-être s'arrêter là. En vrai, c'est vrai que le temps passe. Mais c'était bien. Ouais, il se passait plein de trucs. On s'est fait agresser par Gaspard. On s'est fait paralyser. Ils ont essayé de faire tomber le toit sur la tête. Bon, tout va bien. On a parlé à plein de fantômes, trop bien. C'est vrai. C'était cool. Ce théâtre est très accueillant. Il a besoin d'un peu d'innovation, d'un peu d'exorcisme, mais oui, après. C'est ça. Il sera très bien. S'il ne rebrûle pas. Ah oui, on a noté des trucs. Quoi ? Il y a vu un autre fantôme. Ah, j'ai vu le grand méchant loup. J'ai l'impression qu'un fantôme au théâtre tout entier est apparemment l'objet d'une malédiction lancée par un certain Gaspard. La seule qui puisse y mettre fin est une femme appelée Marie. Et que les choses se compliquent, il faut retrouver, je vais parler à un certain Pierre. J'ai trouvé la recherche de Pierre, c'est lui qui m'a trouvé, il ne semble pas vouloir parler sans son instrument préféré. Qu'est-ce que ça peut être ? On ne sait pas. Vu qu'on a dit qu'on était flûtiste, je ne sais pas ce que ça peut être. C'est vrai. J'ai rencontré le fantôme d'un flûtiste en effet, il affirmait que pour sauver ma sœur, je dois libérer Marie. C'est que les autres âmes emprisonnées. J'ai perdu conscience et été paralysé par une transe comme Adèle. Nice. Un fantôme est venu vers moi et m'a dit qu'en concentrant, je pourrais en sortir. J'avise de faire trouver Gaspard, le régisseur, emmener ma sœur. Je trouvais Gaspard, le régisseur, qui retenait Adèle en coulisses. Ce régisseur semblait s'opposer à Gaspard. Retrouve-t-il la raison ? Il a néanmoins obéi à Gaspard et emmené Adèle vers le monde charge. Ensuite, Gaspard transformait en une volute de fumée noire, faisant voler en éclats les tuyaux du plafond avant de disparaître. Merde. Adèle. Blanc sec. C'est ça. Désolé, ça, depuis tout à l'heure, ça m'a trop dans la tête, j'étais obligé de le sortir. Il n'y a pas de blague, j'ai juste amené ça comme ça, genre. Voilà, on essaiera de trouver Marie et de réparer le phonographe dans le prochain épisode. Ouais, on avance bien, donc. C'est cool. C'est bien. Donc, si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser des likes, des commentaires, à partager, et à la semaine prochaine avec Coinzel, bien sûr. Évidemment. À la semaine prochaine, ciao. Salut.